Allez, on repart à la barre fixe. À la fixe. Krosilov. Mouvement Endo Kemots. Alors là, il fait une espèce de Kemots. Je sais pas s'il a loupé ou si c'était vraiment prévu. Le Kovacs groupé. Une petite pif avec son bras. Le Stalder tour direct Kemots. Beaucoup de Stalder, passé dorsal. L'exigence. Il prépare la sortie et c'est double tendu, double vrille avec un petit pas à la réception. Un mouvement assez original avec beaucoup de Stalder mais et beaucoup de combinaisons en passage dorsal. Ce serait bien qu'on revoie le ralenti pour comprendre un petit peu comment il se repositionne en prise cubitale. On voit le Kovacs avec une ouverture pas très nette. Petite flexion de bras à la relance pour le soleil. La préparation qui amène au double tendu, double vrille. Avec un petit pas à la réception. Alexander Krosilov qui est un petit peu le cinquième homme dans cette équipe bélarusse. Avec Savenkov, Ivankov. Bon, il y a quand même du beau monde autour de lui. Ivankov qui a réalisé d'assez bonnes prestations d'ailleurs pour l'instant pour cette équipe bélarusse. Qui a que peu le... C'est-à-dire qu'il a quelque peu lâché pied. Non, pas vraiment, parce que... On verra en fin de compétition.